heureux événement ne saurait tarder. Eugénie Diorc est enceinte de son second enfant, et celui-ci ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez en cette fin de printemps. Comme l'avait révélé la duchesse Diorc, Sarah Ferguson, il y a quelques jours, sa fille doit accoucher fin mai, et celle-ci a déjà pris les dispositions nécessaires comme le raconte The Express. Ce 28 mai 2023, la princesse Eugénie s'est installée à l'Ivy Cottage, signe que l'accouchement est imminent. La demeure est située juste à côté de Portland Hospital, là où la femme de Jack Brooksbank avait donné naissance à leur premier enfant, August, en février 2021. Si est aussi la maison dans laquelle ils ont emménagé pour la première fois ensemble durant les débuts de leur relation. Eugénie, Jack et August habitent en ce moment Frogmore Cottage à Windsor, la fameuse maison qui était réservée au prince Harry pour ses séjours londoniens avant que Charles ne la lui confisque. Mais elle n'est pas assez proche de Londres pour ses derniers jours de grossesse. Eugénie Diorc, retour sur son évolution physique et Sarah Ferguson, grand-mère comblée. La duchesse Diorc connaît les joies d'être grand-parent depuis 2021. Cet enfant, qui naîtra dans plusieurs mois, fera de Sarah Ferguson une grand-mère pour la troisième fois. Une mamie aimante et très présente pour ses deux premiers petits-enfants. Autrice de livres pour enfants, l'ex-femme du prince Andrew donne déjà à ses petits-enfants August et Sienna le goût de la lecture. Je leur lis des histoires. Avec August, je joue au camion, avait confié la grand-mère en mai dernier à Metro, avant d'ajouter mais s'il préfère jouer avec des Barbies dans le futur, si est-il tout aussi bien. Crédit photo, agence.